السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé un très bon vendredi, Yom al-Jumu'ah. Qu'Allah Azzawajal nous permette de faire beaucoup de prières pour le prophète, alayhi salatu wassalam, et de se retrouver avec lui au paradis. Amin ya Rabbal Alameen. Bienvenue à tous et à toutes pour ce live avec sourire d'orphelin. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes. N'hésitez pas à taguer, à identifier d'autres personnes pour qu'elles puissent assister à ce live. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette d'être toujours unis, réunis tous ensemble pour Allah. Et le but de ce live consiste en fait à faire connaître l'ONG Sourire d'Orphelin et puis participer activement. Puisque le Eid approche, alors c'est vrai qu'on finance à mouton dans le pays où on est, mais dans le Bangladesh, c'est plutôt d'autres bêtes. Alors, nous allons... Alors, accepter, voilà. Donc, dans le pays du Bangladesh, là où se trouve... notre frère Daoud, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment ça va? Oui, là on t'entend. D'accord. Ouais, juste Alhamdulillah, et toi alors? Alhamdulillah, tout va bien. On est avec tous les orphelins. Mâche. Donc là, vous allez être surpris de voir autant d'enfants au même endroit. Avec bismillah. Il est quelle heure, Daoud? Chez vous? C'est 21h37. D'accord, mashallah. Quel bonheur de te retrouver avec ta famille à toi, puisque tu vis au quotidien avec eux tous les jours. C'est ma grande famille. Mashallah. Là, aujourd'hui, on a à peu près 900. Allah iberg, mashallah. Dans l'orphelinat. Dans l'orphelinat, on est venu dans la moussalla des filles. Il y a plus de place. Plus grand et c'est mieux aménagé, on va dire. Normalement, le réseau est correct. Juste une petite précision. Oui. Si il n'y a plus d'électricité, qu'on se retrouve dans le noir, du coup, on ne pourra rien faire. Le live s'arrêtera là. Parce qu'en fait, c'est ici au Bangladesh, on a des coupures d'électricité d'environ 10 heures sur 24 heures. Il y a de très, très nombreuses de coupures d'électricité. Donc, c'est problématique au quotidien, mais... Donc du coup, voilà, Inch'Allah, on aura. D'accord. C'est dû à l'économie ou... La souveraineté énergétique, elle n'est pas... Du coup, ils ont quelques centrales à charbon, ils sont en train de développer des centrales nucléaires, mais on est encore loin du résultat. D'accord. Très bien. Alors, le Eid approche à grands pas, cette sunna, cette tradition de Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam, que nous allons honorer. Bienvenue à tous et à toutes, hein, pour ceux qui nous rejoignent en cours de live. Le but de ce live est de nous expliquer cette collecte qui est en train de se réaliser avec l'aide des fidèles. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Vu que l'Eid al-Adha va arriver et nous faire cette proposition d'aider les orphelins du Bangladesh. Donc, rappel, l'association Sourire d'Orphelins, c'est une association qui a vocation à prendre en charge des orphelins dans le monde entier. Mais nous, on est un peu plus spécialisés sur les orphelins et orphelines Rohingya et Ouïghours, qui sont en Turquie. Et du coup, on essaye chaque année. Comme je l'avais expliqué un petit peu hier, mais il y a de nombreux pays sur lesquels il faut aider, mais nous, on est concentré sur les orphelins en particulier, puisque c'est des enfants
qui, comment dire, qui étaient dans les camps, qui étaient errants, en fait, des enfants errants, qui avaient personne pour les éduquer, personne pour les assister, pour les aider, pour leur donner une opportunité, on va dire, de vie. Et du coup, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, on a réussi à les faire sortir en les cachant des camps pour les amener ici. Et puis par la suite, là, à l'heure actuelle, les camps sont ouverts. Donc les Rohingyas peuvent sortir, mais c'est juste qu'il faut avoir un endroit exprès pour les accueillir, puisque dès qu'ils sont comment dire, pris en flagrant délit, en fait, d'être sortis des camps, tout de suite ils sont ramenés, ou des fois ils vont être un petit peu emprisonnés. Donc c'est très difficile. Et alhamdoulillah, on va vous montrer, on va dire, tous les orphelins à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné cette opportunité. Là, on est par rapport à ce qu'on était en train de parler, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est pour donner une heureuse fête de l'Aïd, Inch'Allah, pour les orphelins à travers Sadaqa ou à travers le sacrifice par procuration. Donc, je rappelais hier aussi que en fait, même si c'est pas une habitude chez les gens, mais vu qu'on a des animaux qui sont différents à travers les pays, on va avoir beaucoup plus de vaches et de chèvres en Asie, et on va avoir beaucoup plus de moutons et de chameaux en Afrique. Donc, la sunna, elle accepte ces animaux en question pour le sacrifice. Sauf que le chameau et la vache, c'est en 7 parts. C'est en 7 parts, donc, ou pour une famille entière, ou pour plusieurs personnes, en fait, qui prennent une part, pour qui on prend les noms. Ensuite, on fait une bannière avec les 7 parts au moment du sacrifice, au moment de la distribution et au moment de la présentation des bêtes. D'accord, très bien. Donc, ces familles, je suppose, elles attendent ce moment avec impatience, puisque ça leur permettra de goûter aussi de la viande, peut-être qu'ils n'y ont pas accès, ils n'ont pas le droit toute l'année. En général, mis à part le Ramadan, parce qu'on fait on fait des gros efforts, mais en général, ils mangent de la viande allez, peut-être 5 fois dans l'année. Ah, d'accord, ok. D'accord. Alors que pas trop. Bon, ça commence à devenir un problème en France, mais d'une manière générale, on mange un peu ce qu'on veut. Mais ici, voilà, c'est surtout spécialement la viande de vache. Pour eux, c'est le caviar de la France, on va dire. D'accord. Okay. C'est vraiment un luxe. Donc Ouais. là, ils sont autour de toi. Ouais, donc on va aller un peu plus devant, mais on peut le voir maintenant. Alors, ok. Masha'Allah, dans la salle de prière, Allah ybarik. Wa alaykoum salam, rahmatullah. Masha'Allah. Des grandes filles ici. Et là. Alhamdoulilah. Donc ça, c'est les plus grandes, comme vous l'avez compris, à gauche. Les plus petites ici, à partir de 6 ans, on les accueille. Et puis les petits garçons, mashallah. Et du coup, donc les plus anciens, on les a fait venir des camps. On a trouvé un stratagème, en fait, pour les sortir, on va dire, des camps. Quand on avait fait comment dire, on était sûr, en fait, on avait fait une enquête, on était sûr que ces enfants étaient bien orphelins et qu'ils n'avaient personne d'autre pour les assister, en tout cas pour s'occuper d'eux. Et puis après, pour les derniers, là, ça a été plus facile. Il suffisait juste de repérer dans les camps et de les faire sortir par la voie normale, puisque là, comme je disais, maintenant c'est ouvert. Et c'est comme j'expliquais hier, c'est des enfants qui ont une douceur et de l'amour à revendre, comme on dit. Donc, du coup, on aimerait leur faire plaisir, on aimerait le mettre la joie dans leur cœur. Et en fait, arriver à l'équivalent de 3 kilos de viande
par enfant, inchallah, en tout cas par famille, on va dire, puisqu'il y a la mère avec souvent des enfants en bas âge. On ne prend pas en dessous de 6 ans parce que ça serait compliqué, ça serait plutôt un travail de garderie, ça serait un peu compliqué. Mais dès qu'ils arrivent à 5 ans, 6 ans, on les accepte. Comme vous voyez, il y a pas un bruit. Ils sont très disciplinaires. Ils sont très heureux. Ils ont, alhamdoulilah, les meilleures conditions. Donc ça passe par des fois le parrainage participatif, mais aussi des personnes qui prennent en charge individuellement. D'ailleurs, la dernière fois, pendant le mois de Ramadan, alhamdoulilah, tu as été la cause en fait de deux sœurs qui ont pris deux orphelins chacune en charge. Donc, on se rappelle du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Moi et celui qui prend en charge, nous serons comme ceci au Jannah. Il avait montré l'index et le majeur. Et, alhamdoulilah, si on peut prendre toutes ces bonnes actions et toutes ces hasanat, et puis par la même occasion, chercher la satisfaction d'Allah, pardon, et en même temps, bien sûr, sortir ses enfants de cette difficulté, et surtout que c'est vraiment une nouvelle vie pour eux. Là, on a rentré quatre filles, quatre grandes filles, à l'université. Jamais de la vie, elles auraient pensé que des camps elles puissent atterrir à l'université. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est tout le temps, elles me disent, non, mais c'est vrai, me mens pas, s'il te plaît, me mens pas, s'il te plaît, dis-moi, c'est vrai, je vais aller à l'université. Je dis, bien sûr, grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah. Les petits garçons, et quand ils sont petits, souvent ils ont les regards. Ils ont les regards un petit peu vides. Et puis avec le temps, à force d'être dans ce cadre avec plein d'enfants qui sont comme eux et des professeurs qui étaient orphelins avant. En fait, ça leur permet de très rapidement prendre le dessus. Les enfants sont plus forts que ce qu'on croit, en fait, en réalité. Et, alhamdoulilah, Mémouna. Comment ça? Alhamdoulilah, Inch'Allah. Inch'Allah. Là, cette fois-ci, comme je le disais hier aussi, cette fois-ci, c'est pour mettre de la joie dans le cœur de ces enfants. C'est l'objectif de. Qu'on aimerait atteindre, comme je disais, à travers la sadaqa ou à travers comment dire, le sacrifice par procuration. Et en fait, on aimerait que ces orphelins-là, qui ont un attachement profond en fait pour la soutenade de Ibrahim. Ibrahim, ils puissent perpétuer ça, ils puissent se construire et grandir avec ça. C'est ça qui nous intéresse aussi. Et à travers ça, bien sûr, au moment où on leur remet la viande, on leur explique, on fait un rappel en fait sur la sunna. Et voilà, tout simplement, alhamdoulilah, donc là, c'est tous ces enfants-là. Alors, Barakallahu fik Daoud. Ouais, je dis bac là. Même si, alhamdoulilah, on sait que voilà, il y a ces camps et puis il y a ces orphelinats, est-ce que tu peux nous faire un rappel? Il y en a qui n'ont pas l'historique, mais rapidement, tu sais, sur ces orphelins qui n'ont plus de papa, qui n'ont plus de père. D'accord, Ouais, Inch'Allah. Donc, pour en qu'on fait. comprenne le but, en fait, de les aider, et puis ça motiverait beaucoup. Il y en a qui commencent à poser des questions, comment on fait pour soutenir la cause, comment on fait pour aider, où est le lien? Mais ça serait bien de leur expliquer l'histoire des Rohingyas, en fait. Bien sûr. Donc rapidement, sur les machallah. Rapidement, donc ça date déjà de avant 2011. Les Rohingyas qui ont commencé à être oppressés en Birmanie pour leur religion, juste par le fait qu'ils disent la ilaha illallah, mais aussi pour des raisons économiques. Ça s'est accentué en 2016. En 2016, l'exode de plus de 700 000 Rohingyas pour quitter leur terre. C'était très difficile, c'était un moment extrêmement difficile pour eux, pour atteindre les camps de réfugiés Rohingyas. En fait,
J'hésite à dire ce que je vais dire, mais en fait, je suis un petit peu obligé de le dire. Donc, il faut savoir que les Birmans, en fait, ils avaient atteint une cruauté qui est sans égale, peut-être même avec les Chinois, avec les Ouïghours, peut-être au même niveau. Pour faire peur, en fait, aux Rohingyas, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils brûlaient et ils mangeaient les bébés. Comment dire, ils tuaient les gens de science pour essayer d'effacer l'islam. Ils violaient toutes les femmes ou les filles ou peu importe. En fait, ils étaient dans un niveau de cruauté que même les Romains à l'époque, ils n'avaient pas atteint. C'était vraiment. Et du coup, quand ils sont arrivés dans les camps, il y a beaucoup de gens, il y a eu comment dire, une vague médiatique qui a fait que beaucoup de gens ont surfé un petit peu sur ça, beaucoup d'associations se sont déplacées, ont aidé, car là les récompenses. Mais en fait, ça s'est arrêté là. Derrière, il n'y avait pas la reconstruction. On sait très bien que reconstruire un projet, c'est beaucoup plus dur que de juste aider en surface ou de répondre à une urgence. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait le choix. On a commencé par 20 orphelins au début, je m'en rappellerai toujours, en 2017. Alors, on a essayé de faire le plus vite possible, en fait. 20 orphelins qu'on a accueillis. Et puis maintenant, vous regardez tous les orphelins qu'il y a ici. Les grandes, machallah. Bon, je vais faire comme ça pour que ça te voit. Ils sont en calme et on n'entend pas un bruit. Ils sont très disciplinés. Les grandes, mashallah, elles ont de 13 ans à 20 ans. Elle a un professeur, mashallah. Et quand on arrive au niveau des grandes, qui ont, comme je disais, entre 19 et 21 ans, qui ont atteint le niveau 12, ce statut universitaire, elles sont complètement épanouies. Elles sont des musulmanes accomplies, que ce soit dans leur religion, que ce soit les sciences mondaines ou les sciences islamiques. Ça soit aussi, même intérieurement, en fait, elles sont très heureuses, elles sont. Toujours ça va bien, en fait. Toujours, toujours ça va bien. En fait, il y avait ce passage au début, bien sûr, qui est difficile, parce qu'il faut oublier. En tout cas, faut vivre avec, mais il faut essayer de surmonter ça, en fait. Et par la suite, alhamdoulilah, après, ils vivent avec ça, en fait. C'est toujours pareil. Des fois, les gens, ils pensent qu'on peut oublier les choses monstrueuses. On peut pas les oublier. Mais en tout cas, on peut essayer de construire avec ça. De construire avec ça. Donc, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est vrai que Daoud, quand tu interviens auprès des orphelins, c'est pendant le Ramadan avec les colis alimentaires, c'est pendant l'Aïd pour leur apporter cette joie, c'est aussi les soutenir dans la construction de maisons. Cette fois-ci, c'est vrai que l'Aïd approche et tu lances un appel à tous ceux qui veulent investir dans une part de sacrifice, soit par une sadaqa, soit parce qu'on veut que la bête soit sacrifiée au Bangladesh et avec le nom de la personne, mais dans l'intérêt des orphelins. Alors aujourd'hui, il y a une collecte de dons que tu lances avec un certain montant et tu aimerais que tout le monde y participe. Et comment on fait, Daoud, pour cliquer, pour trouver le lien, pour participer, comment participer, pour que les gens puissent comprendre et avoir l'accès facile dans cette collecte de dons, puisqu'il nous reste bon ben aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, 5 jours. Ouais. Donc, dans un premier temps, pour les personnes qui ont la possibilité de faire le sacrifice, on savait que ça allait arriver. C'est pas grave, je continue. On continue. Là, je suis désolée. Mais on Une voit un personne, petit peu de la lumière, hein. ouais. Ouais. Il y avait une personne qui avait parlé de générateur. En fait, malheureusement, le générateur qu'on a ici, il a lâché. Parce qu'il y avait une remarque d'une personne, il avait raison, mais malheureusement, notre générateur, il a lâché. Donc, je continue. Oui. Donc, concrètement, une personne qui. Une personne voilà, qui peut Voilà. consacrer. Si la personne veut que... Ah, moi, je la regarde. Tu vois, la lumière revient. Alhamdoulilah. Une personne qui fait son sacrifice en France, elle se dit, bon, moi je le fais de mon côté, j'ai pas besoin de donner par procuration. Elle peut faire sadaqa tout simplement via la cagnotte qu'il y a dans la biographie de Sourad Orphelin. D'accord. Ça, c'est le premier point.
On pourra mettre aussi dans les commentaires ensuite le lien. Je ne l'ai pas sous la main, là, mais je pourrais le mettre après. Ça, c'est le premier point. Deuxième des points, une personne, par contre, qui n'a pas la possibilité en France pour plusieurs raisons, parce que c'est risqué, c'est dangereux et c'est compliqué ou la personne n'a pas la possibilité. Alors, il a deux solutions. Ou il va offrir une part à 136 euros pour une vache. Donc, à chaque fois qu'on complète cette part, eh ben, en fait, on a une vache pour les orphelins, ce qui représente à peu près pour 30 familles. 30 familles qui vont recevoir de la viande. 35 familles qui vont recevoir de la viande. Ou alors, par exemple, s'il y a des personnes qui préfèrent offrir une chèvre. Donc, il y a la possibilité, ça c'est une chèvre, c'est 150 euros. Il y a la possibilité de faire le sacrifice par procuration avec une chèvre. Donc voilà, les deux solutions pour les personnes qui veulent faire par procuration. Donc, une chose très importante. Après, ça se décompose en deux paramètres. Donc, si une personne fait le sacrifice par procuration et qu'elle veut recevoir des photos et vidéos en fait, de toutes les étapes du sacrifice, il faut absolument qu'elle me joigne par WhatsApp sur ce numéro que je vais inscrire maintenant. Comme ça, elle me donne son nom, prénom, j'enregistre le numéro, et puis une fois que le sacrifice va être fait et que les vidéos sont réalisées, on va envoyer à la personne les preuves de ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Alors, Dawoodi, par exemple, une famille, un couple avec des enfants, veulent participer à une vache, par exemple. Il faut qu'il soit combien et chacun, je crois, doit donner 136 euros. Par, c'est 136 euros. La part pour une vache. Et une vache, c'est si, par exemple, combien de personnes, Daoud? C'est à peu près 35 familles. D'accord, mais je veux dire, une vache, le prix d'une vache, c'est 900, c'est ça? Ah, c'est 950 la vache entière. Euros, voilà, et dans 950 euros, il y a combien de personnes qui pourraient donner 136 euros? 7 personnes. Voilà, 7. Donc, c'est-à-dire que je peux prendre avec moi 6 autres amis ou mes frères et sœurs pour participer à une vache. C'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Voilà. Donc, les personnes en fait, qui ne veulent pas nécessairement les visuels de retour, ils peuvent mettre dans Cotisup uniquement le nom-prénom. Ils peuvent mettre, par exemple, vache, une part, nom-prénom. D'accord. Et les personnes qui veulent un retour visuel, ils utilisent mon numéro de téléphone, ils me contactent. Et comme ça, on fera suivre les photos et vidéos. D'accord. Donc là, ils sont impatients, machallah. De goûter à la viande, subhanallah. Bien sûr. En fait, là, ils sont, comment dire, ils sont venus ici avec l'idée que on allait pouvoir donner à tout le monde de la viande. C'est pour ça que nous, en fait, ça pèse cette pression sur nous. Mais bien sûr, on sait très bien que si la Ouma elle se met ensemble, on peut arriver très rapidement à leur faire plaisir, en tout cas. Donc c'est pour ça. Là, il y avait même les grands étudiants. Bon, quand je dis grands étudiants, ils ont 14-15 ans, ils n'ont pas nécessairement la puberté, mais ils m'ont demandé hier, ils m'ont dit est-ce que je vais avoir quelque chose pour l'Aïd. Je dis attends un petit peu, parce qu'on fait d'abord passer les plus petits en premier, parce qu'ils ont, eux ils ne comprennent pas en fait, les plus grands ils sont en âge de comprendre. Donc en fait on va essayer de faire pour le mieux, et l'objectif à travers la cagnotte c'est 35 vaches. Si on arrive à 35 vaches, ce qui représente à peu près 33 000 euros, on pourra donner à tout le monde. Donc, ça sera les 1 000 orphelins, plus en fait des enfants en bas âge et plus leur maman. D'accord, machin là. Alors, Daoud, il y en a qui posent la question. Si, par exemple, je participe au sacrifice au Bangladesh pour ces orphelins, est-ce que je dois le faire dans mon pays ou pas? En fait, il y en a obligatoirement, il y en a un des deux qui va être une, qu'on appelle ça, une sadaqa. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. Si par exemple quelqu'un il le fait en France, eh ben celui-là qui va faire ici, ça va être une sadaqa. On n'accomplit pas plusieurs fois la sunna, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je peux émettre l'intention de donner procuration à Sourire d'Orphelin au Bangladesh. Donc, alhamdoulilah, je ne suis plus responsable en France ou dans mon pays. Et j'ai l'autre
l'autre option où je fais mon sacrifice dans mon pays et en même temps j'offre ma sadaqa au Bangladesh. Ouais, c'est ça. Voilà. T'as plusieurs coucous là, mashallah, les gens participent à des coucous. Subhanallah. Peut-être pour nous c'est un luxe. On achète facilement des sandwichs, on achète facilement de la viande à la boucherie. Mais sachez que, subhanallah, manger 5 fois dans l'année, c'est-à-dire qu'ils mangent 1 fois sur 2 ou sur 3 mois, ça serait leur offrir un très très beau cadeau. Wa alaikum salam. Comment ça va, elle te demande. Good. Alhamdulillah. Alhamdulillah. j'ai une question. J'ai déjà fait ma sadaqa au Maroc. Est-ce que je peux la refaire pour les orphelins? Oui, 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 bien sûr. Vous avez 2 types d'interventions. Soit ça devient une sadaqa. Je fais ma sadaqa, 136 euros, multiplié par 2, par 3, par 4, tout ce que vous voulez. Ou bien 136 euros avec l'intention que ce soit mon sacrifice. Voilà. Soit c'est une sadaqa, soit c'est le sacrifice du mouton. Mashallah. Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes ? Subhanallah. Donc, il est encore. Alors, on a jusqu'à mardi, quelle heure pour participer quand il s'agit de sacrifice, procuration ? Ouais. Jusqu'au 27 au soir, à minuit. C'est-à-dire ici, l'heure locale, chez vous ou chez nous? Minuit heure française. Minuit heure française, d'accord, ok. On a jusqu'à mardi minuit. Oui. Oui. D'accord. Je n'ai pas regardé mardi le 27, mais oui, le 27. Oui. Mais après, on peut continuer quand c'est une sadaqa, si on veut participer en plus. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc je rappelle que pour une vache, le prix est de 950 euros et dans une vache, on peut participer par part. Donc, il y aurait 7 parts dans une vache, une part égale 136 euros. Donc, celui qui veut que Sourire d'Orphelin puisse elle-même, cette ONG, procéder au sacrifice, c'est-à-dire qu'on donne procuration à cette ONG au Bangladesh de faire le sacrifice pour nous, eh bien, c'est aussi possible. Donc, une femme célibataire peut participer pour une part, elle peut participer pour 2, pour 3, pour 4, elle peut participer même pour une vache. Oui. Voilà. C'était la question qui était en train d'être posée, c'est pour ça que j'y répondais, Daywood. Faut-il juste une personne dans une famille ou tous ceux qui ont les moyens? Tous ceux-là qui ont la capacité, ils doivent accomplir la sunna. Comme je le rappelais hier, il y a des personnes des fois qui se disent ben, « c'est le daron, c'est le papa qui va faire un mouton pour la famille ». Et on se rend compte en fait que par exemple au sein de cette famille-là, il y a plusieurs garçons qui ont un travail, qui ont une situation, qui s'en sortent très bien. Eux, ils doivent accomplir la sunna aussi et le faire le mouton, même s'ils n'ont pas de famille, même s'ils sont célibataires. Alors, il y a une autre question. Peut-on donner des sadaqas sans montant fixé? Oui, bismillah. Bien sûr, bien sûr. Oui, ici, dans cet appel au don, c'est à la fois l'appel à la sadaqa, n'importe quel montant, 100, 200, 1000 euros. Et puis après, il y a aussi le montant de 136 euros pour une part quand on veut donner procuration à Sourire d'Orphelin pour faire en fait l'abattage à notre place. C'est ça. C'est exactement ça. Machallah, donc je sais pas si demain soir on pourrait venir même un petit peu plus tard ou si tu veux lundi aussi, lundi soir, mardi soir. Mardi soir, bon, je serai plutôt avec l'ACMU, mais si tu... voilà, lundi soir, si on peut refaire aussi un live, par exemple, pour faire un appel aux dons, mais je pense qu'ils seront, au lit, ils seront en train de dormir, les enfants. Ouais, le soir, ça fait tard, et puis je pars, je me rapproche de la capitale demain. Ah, d'accord, oui, c'est vrai, il y avait ton départ. Oui, c'est vrai, subhanallah, toi aussi, tu dois... C'est vrai que maintenant, on devrait un peu carburer pour participer à cette collecte de dons. Donc, le Cotisup, le lien du Cotisup, il se trouve soit dans l'Instagram de Sourire d'Orphelin, sous la photo
tôt, ou bien on a accès direct au site internet. C'est ça, oui. D'accord, Sourire d'Orphelin. Sur le site, bon, oui. C'est un peu plus complet parce qu'on peut tout mentionner, le nom, prénom, faire directement. D'accord. Mais par le Cotisop, c'est spécial en fait pour. D'accord, c'est un lien spécial pour le sacrifice. Ouais. D'accord, Inch'Allah. Donc, qu'Allah bénisse cette collecte de dons. Amin. Est-ce que tu peux passer peut-être dans les rangs et chacun donne son petit prénom pour qu'on puisse faire connaître encore plus et encore mieux l'orphelin. Un orphelin de problème. Un orphelin de السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, magnifique. Allah ybarak. Allah te protège, mon enfant. Amin. Akramul haq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَقْلِبُهُ حَثِيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين السلام عليكم Apnine Amki. C'est l'heure où elle dort normalement, c'est pour ça que. D'accord. Oh, on les a dérangés, les pauvres. Non, Alhamdulillah. C'est l'heure de dormir et ils sont calmes. Allah ybarik. Alhamdulillah. Asfia, qui m'en assène. Alhamdulillah. Assalamu alaikum, sister Sama. Wa alaikum. Assalam, binti. Assalamu alaikum. Kimonassem. Aïe, il a honte. Mashallah. Il a pas honte. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allô, alhamdoulilah. Ils vont tous très bien.
il y a, alhamdoulilah, cette année là, en tout cas cette fois où je suis venu, il y a personne qui est malade, tabarakallah. Ah, oulala, là, 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 c'est les deux pipelettes. Mashallah. Adia, Fakir Tal. Alors elle, faut pas la chercher, elle. Mashallah. Salam. Rafia, Mashallah. Après, il y a les grandes filles. Comme je disais, elles ont entre 13 et 21 ans. Donc, dès qu'elles atteignent la puberté, elles ont gelé comme ça. Salam alaikum, Kemona Sen. Elles sont beaucoup plus réservées. Oui, 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 je reviens. Oui. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Il y a des filles par moment qui ont des grosses cicatrices. Donc ça nous indique en fait ce qui s'est passé avant. Et bon, des fois c'est des accidents communs. Hein. Mais voilà. Et en fait, il y a parfois des filles sur lesquelles on doit faire un gros travail sur la maman pour l'aider ou pour faire un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a un attrait direct sur la psychologie des enfants. S'ils savent que leur mère va bien, eux, ils vont bien. Ils ont un amour. Bon, tout le monde a un amour pour sa mère, mais eux, c'est très profond, en fait. C'est très, très, très profond. Ouais. Ils sont très, très sensibles. Dis, il a vu les parents bien tout le temps. Mashallah. Bon, Hassan. Salam alaikum. Afnina Mki. Yassine. Arafat. Yassine Arafat. Mashallah. Ils ont des très beaux prénoms, c'est vraiment original. Ouais, ils ont des prénoms très longs et très beaux. Et c'est très inspiré des prénoms de l'Arabie. Subhanallah. Allah ybarik, inshallah, qu'Allah nous permette de les aider, de vous aider et puis amin, de participer à ce grand bonheur le jour du Eid. Nous avons que deux fêtes dans l'année, alors si une fête sur deux ils peuvent goûter de la viande et que ça devienne quelque chose de plus récurrent dans l'année, si on peut participer aussi et pouvoir contribuer à leur bonheur même à distance, ça serait le top avec toute la communauté. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
الشمس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك بنتي. Masha'Allah, ce sont vraiment de très, 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 très belles récitations. Allah ibarik, Masha'Allah, Masha'Allah. Alhamdulillah. Ce sont vraiment une récitation apaisante, douce. Elle transporte vraiment leur récitation, Allah ibarik. Comme je t'avais dit la dernière fois, pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup d'orphelins Rohingya ou d'orphelines qui ont une récitation qui évoque leur vie. En fait, depuis qu'ils sont petits, ils apprennent le Coran. Et en fait, c'est mélangé, on va dire, à cet apprentissage, on va dire, la difficulté de leur vie. Donc en fait, il y a comme un ressentiment de on ressent en fait sa vie à travers sa récitation. Il y a beaucoup d'orphelins comme ça. Et à chaque fois, ça ne loupe pas. C'est des enfants qui sont passés par des étapes difficiles. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est vrai que perdre son père, son papa, c'est une étape très très difficile. Grandir en se disant bah, on ne verra plus jamais, c'est Alhamdoulilah, si on peut les aider à avoir comme un semblant de joie, comme si leur père était là le jour du Eid. Alors bismillah, n'hésitez pas à récupérer le lien sur Instagram, donc Sourire d'Orphelin. S'il y en a qui ont copier le lien et est-ce qu'ils peuvent nous le mettre et faciliter l'accès à tout le monde. Mais sachez qu'il y a le site internet Sourire d'Orphelin. Il y a aussi le lien direct pour qu'on puisse faire notre don, soit une sadaqa, soit faire procuration et donner procuration à Sourire d'Orphelin pour leur apporter le sourire le jour du Eid, qu'Allah nous permette d'être parmi les rapprochés du prophète alayhi salatu wassalam, parce que prendre en charge, eh bien, ça demandera un effort, celui de contribuer, de donner, et qu'Allah nous permette d'être à côté du prophète alayhi salatu wassalam, qui lui-même était orphelin, il a grandi orphelin, et qu'Allah accepte et qu'Allah nous donne cette envie, ce courage de cliquer et de donner et participer. 30 000 euros, c'est faisable en 5 jours. Alors, bismillah, invitez des proches, à vous, invitez des amis, copier-coller, coller le lien. Parfois, au dernier moment, on ne sait pas à qui donner ou faire le sacrifice. Alors, chacun va faire un sacrifice, une partie de son argent pour rendre heureux des petits enfants merveilleux, mashallah. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Amin, amin, amin. Et un grand merci à toi, Daoud, pour ton implication, même si c'est ton travail, mais tu le fais manger avec beaucoup d'amour et de générosité. On a l'impression vraiment que tu es un oncle, un papa, un grand frère, subhanallah. Et on a l'impression vraiment que tu es avec eux comme si tu faisais partie de leur famille. Qu'Allah Azza wa Jal t'accueille dans ton paradis. Amin, 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 amin. Le lien, s'il vous plaît. Donc, je répète encore une fois, je sais que je vais me répéter, mais il n'y a pas de souci. Le lien, on le trouve sur Instagram, Sourire d'Orphelin. Je vais le mettre, Inch'Allah, dans ma bio aussi. Et puis, vous avez le site internet, Sourire d'Orphelin. N'hésitez pas, ne réfléchissez pas, faites-le pour Allah. Et puis, une sadaqa pour Allah, de manière sincère. Et faites vos doigts et vous allez voir, Allah va exaucer vos doigts à partir du moment où c'est sincère. Voilà. Un grand, grand merci à toi, Barakallahu fik Daoud. Et on continuera dans d'autres lives, puisqu'il y a aussi la construction de maisons. C'est rien du tout une maison 3000 euros, alors qu'aujourd'hui c'est 300 000 euros un appartement quand on veut être bien. Donc 3000 euros, c'est rien. En une soirée, on peut collecter. Et qu'Allah fasse que nous soyons les serviteurs d'Allah, les fidèles d'Allah.
ceux qui sont au service de la communauté, au service de leurs frères et sœurs, surtout les orphelins. Amin, ya Rabbal Alamin. Moi, je coupe une. Hier, il y a un message qui m'a touché beaucoup. C'est une sœur qui nous a suivis sur le live de hier. Et elle a fait le sadaqa célèbre pour la guérison de son fils, Wael. Son fils qui est malade. Et elle espère vraiment sincèrement que Allah subhanahu wa ta'ala, il va guérir son enfant. Et si vous pouvez faire dua pour notre sœur, en tout cas pour son fils, que qu'Allah il accepte sa sadaqa et guérisse son enfant qui a 11 ans. Amin. 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 Qu'Allah lui donne la pleine guérison à ce petit Wael. Amin. Et alhamdoulilah, on laisse tout entre les mains d'Allah, mais Allah entend chaque dua et il exauce chaque dua. Amin, toi aussi. Merci à tous. À cette petite communauté d'orphelins, mashallah, qui nous donne beaucoup de leçons de sagesse, subhanallah. La rigueur, le calme, la sagesse, la douceur. Mashallah, mashallah, mashallah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Merci. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, Daoud. Un grand, grand merci à toi. Barakallahu fik. Ça fait du bien de les voir. Ça nous fait oublier pas mal de choses, subhanallah. Et on relativise la vie quand on voit, subhanallah, que ces petits, eh bien, à nous, à notre tour aussi, de t'aider, de t'accompagner pour pouvoir les rendre joyeux le jour du Eid et puis les autres jours de l'année également. Barakallahu fik. On te laisse maintenant. Alhamdulillah qu'on ait pu avoir la lumière. Alhamdulillah. Ouais, Masha, c'est exceptionnel. Barakallahu fik. Un grand merci, Daoud. Merci. Merci à vous tous, à vous toutes. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Que vous soyez là et qu'on puisse, subhanallah, contribuer tous ensemble, même si c'est à travers une sunna, une tradition, qu'Allah nous permette d'aider ceux qui sont dans la difficulté. Et Allah Azza wa Jal va multiplier à tous ceux qui donnent. L'essentiel, c'est de donner pour Allah. L'essentiel, c'est de donner aussi secrètement quand il s'agit d'une sadaqa, quand il s'agit, subhanallah, d'aider l'autre. Et Allah sera... dans l'aide de celui qui aussi apporte son aide aux autres et qu'Allah fasse que nous soyons les meilleurs croyants, les meilleurs serviteurs d'Allah. Amin ya Rabbal Alamin. On va faire dua, Inch'Allah, et on va se quitter sur ces belles dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم وحد صفوفنا ووحد قلوبنا ووحد كلمتنا يا رب اجعلنا من الصادقين المتصدقين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين اللهم اجعلنا من عبادك التائبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب ارحم والدينا ووالدينا ووالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وخطايانا اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والكرم لك الحمد اللهم لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم لا اله الا انت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين يا رب ارحم الارامل والايتام والمساكين يا رب ارحمهم رحمه واسعه يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين امين بارك الله فيكم. À vous tous et à vous toutes, n'hésitez pas à retrouver Sourire d'Orphelin, soit sur le site internet, soit sur le profil Insta de Sourire d'Orphelin. Vous allez trouver le lien sous la photo. Qu'Allah vous récompense grandement, généreusement, et qu'Allah Azzawajal vous ouvre toutes les portes du bonheur et qu'Allah accepte toutes vos doigts. Amin, 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 amin. Un grand merci. N'hésitons pas à les aider. 30 000 euros, c'est faisable en quelques jours, en 5 jours. Bismillah, cliquez, bismillah, sans réfléchir pour Allah. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.